Visite de routine chez le dentiste. Et oui, il faut y passer, comme tout le monde. Vous avez une carie. Comment, moi, une carie? Mais regardez, mes dents sont très belles. Et puis, a priori, que se passe-t-il? Pourquoi j'aurais une carie? Oui, c'est vrai que, vu de l'extérieur, a priori, ça a l'air d'être pas mal. Mais vous savez, jour après jour, vous avez peut-être parfois oublié de vous brosser les dents comme il faut. Et puis, un peu de sucre, et puis au fur et à mesure, et puis enfin, maintenant il y a une carie, il va falloir traiter en profondeur. Il en est de même dans les relations humaines. Parfois, nous découvrons que brusquement, une relation est en train d'imploser ou d'exploser. Pourtant, nous n'avons pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Seulement, jour après jour, nous n'avons pas été vigilants. Il s'est passé de tout petits événements. Seulement, ceux-ci, au fond, ne prêtent pas tellement à conséquence. Au fond, ils ne font pas tout de suite mal. Et au lieu immédiatement d'y remédier, nous laissons courir les choses comme ce sucre, ces bactéries qui s'enfoncent et qui un beau jour font un trou et là ça fait véritablement le mal. Alors soyons capables d'être dans cette vigilance au quotidien, soyons capables de nous rappeler que ce qui nous semble parfois être pas si important que cela, si nous laissons agir, si nous n'intervenons pas, eh bien au bout d'un moment peut amener à des conséquences beaucoup plus néfastes. Alors allons chez notre dentiste et soyons vigilants dans nos relations en amitié.